En acquisition visuelle, je prépare l'approche finale. Contrôle, ici Skyranger 1. Autorisation d'atterrir. Reçu Skyranger, autorisation accordée. Emplacement numéro 3. Il va falloir plus qu'un terrier pour battre ces choses. Admettez-le, ça vaut le coup d'œil. Alors, c'est quoi au juste ce bureau? Bureau opération et commandement. Je connaissais pas. C'était notre objectif. Cette base ne devait pas entrer en service avant un an. On a mobilisé tous les agents qu'on avait pressentis pour le projet, mais bon, je crois qu'on sera un peu en sous-effectif. Directeur Falk, content de vous revoir. Ces deux-là m'accompagnent. Au moins, on est en lieu sûr. Et j'ai bien l'intention que ça le reste. Je m'adresserai à tous les personnels à 3 heures. Soyez dans la salle des opérations le moment venu. J'ai des tas de choses à préparer, Carter. L'agent Weaver va vous faire visiter. Par ici, Carter. Venez. Au lancement du Spoutnik russe, nos chefs ont pris peur. Ce projet a éclipsé tout le reste. En secret, bien sûr. Ça a marché. On reste comme ça. On ne touche à rien. Très bien, tout le monde. C'est fini. On reprend le travail. Carter, voici Nico da Silva, l'un de nos vétérans. Nico, vous devrez faire un peu de place pour l'agent Carter. Bienvenue au complexe le plus sophistiqué de la Terre. Falk veut qu'on le mette au parfum au plus vite. Chaque seconde compte, et c'est lui qui le dit. D'accord. Bon, venez. Notre bureau est tout près d'ici. C'est une coriace, cette Weaver. Voilà, c'est chez nous. Là, il y a mon bureau. Le vôtre est là-bas. Installez-vous, Will. Du fait de la situation, c'est à la fois votre bureau et votre piole. Ça vous gêne si je vous appelle Will? Oui, ça me gêne. Je vais pas vous appeler agent Carter. Je suis peut-être militaire, mais pas service-service. Je préfère William. Ouais, ben moi je préfère Nico. Mais ma mère tient absolument à m'appeler Nicolas. Bah, rien n'est parfait en ce bas monde. Je crois qu'on va vite devenir copains, vous et moi. Content de l'entendre. Mon stock de copains avait bien diminué. C'est tout, Da Silva? Pour l'instant, oui. Si vous avez des questions, je suis là. Oh, encore une chose. Oui? Le vieux, le directeur Falk. Il en faut pour l'impressionner, mais vous l'avez fait. Je m'y attendais pas en lisant votre dossier. C'est la seule bonne surprise de la journée. Combien de gens ici ont eu accès à mon dossier? On se connaît tous très bien. Pas de souci, vous pourrez aussi lire les nôtres. Le vieux pense que plus les liens entre nous sont étroits, mieux ça se passe sur le terrain. Le bureau sera un changement pour vous. On travaille en équipe. Vous, vous semblez avoir l'habitude d'agir seul. Ouais, mais j'ai aussi l'habitude d'avoir des ennemis humains. Et ce genre d'attaque, ça va signifier pas mal de changements pour tout le monde. Je ne suis plus l'homme que j'étais encore hier. Vous voyez? Je suis bien d'accord. Vous étiez où ce matin? Vous avez pris part à tout ça? Non. J'étais dehors à recueillir des infos sur une anomalie météo dans la cambrousse. Quelque chose brouillait les signaux de télévision et de radio. Tout, sauf le matériel durci de l'armée. Depuis l'attaque, c'est le cas partout. Ils ont bloqué nos communications avant d'attaquer. Plus aucune coordination. Malin. Ouais, mais en un sens, ça nous a aidés. Vous imaginez la panique des gens face à une attaque extraterrestre? Vous avez l'air d'assez bien connaître cet endroit. D'habitude, je travaille pas sur ce site. Il était quasiment vide jusqu'à aujourd'hui. Je suis de la NSA. Mais depuis quelques mois, je fais partie d'une petite équipe qui rend compte au directeur Falk. Qui fait partie de l'équipe? Tant qu'on n'en avait pas besoin, elle est restée toute petite. Maintenant, on voit arriver des tas de gens présélectionnés. Enfin, ceux qui sont encore en vie. Des gens présélectionnés? Venant d'où? Des forces armées, des services secrets, de la DIA, même des civils. Tous ignoraient leur présélection jusqu'à ce qu'on les contacte. Mais ce matin, Falk a activé le projet et les a appelés. Et avant aujourd'hui? Ces dernières années, seulement quelques dizaines de spécialistes. Mais maintenant, on a tout un tas de gens à mettre au parfum. Il faut que je m'habitue au lieu. On reparlera plus tard. D'accord, Will. Content de vous avoir à bord. On dirait que le directeur va commencer. Venez, autant choisir nos places. Lumière. Nous sommes en guerre, et pas celle que nous imaginions. Groom Range, 21h, survivants, 6. Il n'a fallu que quelques minutes à l'ennemi pour détruire notre centre de commandement stratégique. À 21h30, le commandement lui-même n'existait plus. Toutes nos forces armées ont été laminées. Plus de communication. Le téléphone rouge ne sonnera plus. Voilà pourquoi désormais, moi, Myron Falk, assumerai le commandement de ce qu'il reste de nos défenses. Le bureau a été créé pour coordonner la résistance en cas de succès d'une invasion par l'Union soviétique. La mission reste identique, même si l'ennemi a changé. Nous affrontons un ennemi d'un autre monde, et dont on ignore encore l'identité. Mais une chose est claire, cet ennemi nous a étrillés. Ses technologies ont des décennies d'avance sur les nôtres. Nous allons les lui prendre. Ses armes deviendront les nôtres. Quand ce sera fait, nous annihilerons l'ennemi. Voici vos nouveaux ordres. Survivre, s'adapter, vaincre. Bienvenue à XCOM. Je peux les aider. Je veux les aider. Will. Carter. Hey Will, réveille. Quoi? Bon Dieu, Carter. Comment faites-vous pour avoir l'air plus crevé au réveil? Ça va. Et c'est pas la peine de crier pour me réveiller. C'est moi qui criais? Ces dernières années, je n'ai dû dormir que quelques heures. Ouais, ben, vous en faites pas pour ça. Je vous l'ai dit, ça fait à la fois bureau et chambre. Peut-être qu'un jour on aura droit à de vrais logements. Non, je veux dire que je dors très peu. Ah, je comprends, croyez-moi. Après une matinée pareille. Quoi qu'il en soit, Falk veut vous voir. Dans son bureau et au plus vite, comme toujours. Vous disiez quelque chose à propos de la radio? Ah ouais. Ce truc pourri nous passe normalement de la musique d'ascenseur. Mais il a l'air de capter un signal bizarre. Je me demande ce que ça peut être. On n'a pas des choses plus importantes à régler. Oh, si, c'est pour ça que j'ai rien fait. Mais si quelqu'un à l'extérieur réussit à émettre malgré tout ce brouillage, ben, c'est peut-être important. Qui pourrait nous en dire plus? Allez voir l'opératrice Chulski. C'est l'officier d'information du bureau. Elle suit les communications, arrange les contacts, filtre ce qui est rendu public, tout ça. Le vieux a dit pourquoi il voulait me voir? On voit que vous le connaissez pas encore. Le directeur ne vous dit rien s'il pense que vous n'avez pas à être au courant. Je ferais mieux d'aller voir ce que veut le vieux. À plus tard, Will. 2, répétition du message, 2, 5, 0. Il vaut mieux noter ça et en parler à un des radio-opérateurs. 9, vous devriez probablement faire écouter ça à Tchulski en face. C'est peut-être important. Vous faites la répartition? Un peu plus que ça, Jean Carter. Je suis l'officier d'information du bureau. Officier d'information, ça consiste en quoi? Je supervise les répartiteurs, mais je m'occupe aussi de gérer les communications au public et de garder profil bas. Et en ce moment, je dois en plus cacher aux populations l'étendue de la menace. Ouais, on n'a vraiment pas besoin d'émeutes chez les civils en ce moment. Exactement. Vos agents et vous, vous contenez les attaques ennemies, et mes opérateurs tâchent de gérer la peur des populations. Je vais essayer de ne pas trop vous distraire. Tant que vous avez une bonne raison, qu'est-ce qu'il vous faut, agent? La radio diffuse un truc étrange. Vous savez ce que ça peut être? J'ai entendu. C'est sans doute une station météo automatique, mais ça pourrait être des instructions pour capter un signal plus faible. Ça permettrait à un bon opérateur de contourner le pire débrouillage. Ce sont peut-être des survivants. On pourrait les accueillir. On peut vérifier. Hugues va s'occuper de la radio pendant que vous nous donnez les infos. Régler la distance sur... Régler la distance sur 100. La direction? Régler la direction au nord. Et la fréquence? Régler la fréquence sur 155 kHz. Examen des basses fréquences. Je vous ai assez fait perdre votre temps. Oui, monsieur. Oui, agent? La radio diffuse un truc étrange. Vous savez ce que ça peut être? J'ai entendu. C'est sans doute une station météo automatique, mais ça pourrait être des instructions pour capter un signal plus faible. Ça permettrait à un bon opérateur de contourner le pire débrouillage. Ce sont peut-être des survivants. On pourrait les accueillir. On peut vérifier. Hugues va s'occuper de la radio pendant que vous nous donnez les infos. Régler la distance sur... Régler la distance sur 250. La direction? Régler la direction à l'est. Et la fréquence? Régler la fréquence sur 374 MHz. Examen des fréquences moyennes. Réessayez. Je sais qu'il y a un signal. Si vous le dites. Régler la distance sur... Régler la distance sur 500. La direction? Régler la direction à l'ouest. Et la fréquence? Régler la fréquence sur 892 MHz. Examen des fréquences ultra-hautes. Je vous ai assez fait perdre votre temps. Oui, monsieur. Je dois déposer ce truc à l'arsenal. On ne m'a parlé d'aucune livraison. Vous y étiez. Vous l'avez vu à l'œuvre. Oui, mais son dossier dresse un autre portrait. Très bien, messieurs. Commençons. C'est une autre chasse aux chimères, directeur? Pas cette fois, messieurs. Car j'ai trouvé un agent expert qui devrait renverser la situation. Permettez-moi de vous présenter votre nouvel agent senior, Miss Angela Weaver. Agent Weaver, je vous en prie. Bonsoir, messieurs. Bien, nous avons des raisons de penser que notre cible est... Est-ce que c'est une blague? Je vous assure que je ne plaisante pas avec l'infiltration potent. Allons, Miss, retournez à l'accueil et laissez-nous faire le vrai boulot, d'accord? Changez de ton, agent Percy. Directeur, combien de cas extraterrestres concrets vos agents ont-ils découverts jusqu'ici? Ma foi, aucun. Et combien en ai-je découvert en menant mes propres enquêtes? 2 confirmés, 1 en attente. Merci, directeur. Puis-je poursuivre? Écoutez bien, agent Percy. Vous apprendrez peut-être à faire votre travail. Bien, monsieur. Bien. Nous avons des raisons de penser qu'un infiltré menace notre commandement militaire. Quand on parle du loup? Carter, bien. L'agent Weaver craint que vous ne fassiez pas un bon équipier. À mes yeux, c'est un avantage. Excellent travail, comme toujours, Falk. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Tout ça n'est pas un coup des rouges. Ça ne provient d'aucune source connue sur Terre. Alors, il faut envisager d'autres pistes. J'aimerais vous dire un mot. Ailleurs? C'est plus probable que vous ne le pensez. On ne peut pas se permettre de se laisser surprendre. D'accord, Myron. Je crois que vous êtes surmené. Prenez un peu de vacances. Vous pourriez aller au... Non, écoutez, c'est trop grave pour fermer les yeux. Mon équipe a déjà découvert une demi-douzaine d'interférences extérieures potentielles. Non, à vous d'écouter. J'ai une réunion avec les généraux dans 2 jours, et je ne vous laisserai pas ridiculiser ce département. Le général Dims parle déjà de réduire nos crédits, et si ça arrive, votre équipe et vous serez les premiers à sauter. Compris? Oui, directeur. Il me faut peut-être des vacances, oui. Je préfère ça, un endroit calme et ensoleillé, au grand air, le Nouveau-Mexique par exemple. Qu'attendez-vous de moi, monsieur? On ne vous a pas admis ici par hasard. Je vous ai personnellement choisi. Cela fait un moment que je suis votre carrière. Pourquoi moi? Je suis derrière un bureau depuis... Ouais. Longtemps. Oui, mais avant de vous asseoir à ce bureau, vous étiez un sacré agent. Et qui plus est, je sais ce qui vous a amené à ce bureau. C'est la hiérarchie. Elle vous y a nommé, c'est vrai. Mais c'est vous qui avez tout fait pour. Remballez votre psychologie de comptoir. J'ai eu largement ma dose d'évaluation psychiatrique après l'accident. Ce fut un accident, Carter. Vous n'y étiez pour rien. Ouais, c'est ça. Et vous allez me dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Il est trop tard pour ça. Mais vous pouvez en sauver certains, et pour l'instant, on fera avec ça. Ouais, bon, entendu, Falk. Ne serait-ce que parce que le cirque que vous dirigez ici est peut-être tout ce qu'il reste de nos défenses. Alors ça fait de vous l'une des meilleures armes de ce pays. Qu'est-ce qu'on sait sur l'ennemi? Très peu de choses. Avant ce matin, nous n'avions que quelques bizarreries. Nous ne savions même pas si elles étaient reliées. Qui sont ? On a trouvé des dépôts de la substance appelée Elerium en différents endroits de tout le pays. Il y a eu des effets météo. On a reçu des rapports et enquêté sur ce qu'on a appelé des dilutions. Des occurrences localisées où la trame même de la réalité semblait se déformer puis se dissoudre. Et c'est resté secret? De qui? Des populations? La nouvelle aurait entraîné une panique générale? Non. Peu de gens étaient au courant. C'est quoi cet endroit? Pourquoi l'a-t-on créé si on ne s'attendait pas à une attaque extraterrestre? Ce complexe tient actuellement le rôle qu'on lui avait prévu au départ. Il a été bâti pour riposter à une invasion du territoire national. Tous ces gens travaillent ici? Non. Il n'y avait que des effectifs minimaux sur place. Mais des représentants de toutes les disciplines militaires triées sur le volet connaissent l'existence de cette installation. En cas d'invasion du pays, ils ont l'ordre de venir ici. Je ne savais pas que ce lieu existait. Compte tenu de vos exploits à Groom Range, Je dirais que cette omission était une grave bêtise. Quel est le plan? La première de nos tâches est de faire monter en puissance ce complexe. Je crois que le meilleur moyen de vaincre un ennemi technologiquement supérieur est de s'emparer de ces technologies et de les exploiter. Et nous avons les installations nécessaires? Il reste à achever la construction du labo, mais il est déjà dirigé par quelqu'un de premier plan, le docteur Dressner. Et il ne sera pas seul. Je suis en train de mettre sur pied des équipes qui s'occuperont de recos et de recrutement d'autres spécialistes. Je vais à la salle de préparation. Da Silva va vous y retrouver pour vous aider à monter une équipe. Allez-y. Oui, agent. L'ennemi ne brouille pas toutes les communications. Si, la plupart des émetteurs sont gênés par les interférences qui limitent la portée efficace à moins de 5% de leur valeur normale. Alors comment faites-vous? Nos matériels sont nettement plus efficaces. Notre portée n'est réduite que d'environ 10%. On a ce qui se fait de mieux, vous savez. Que savent les populations? Elles s'inquiètent de la perte des communications. Mais nos agents dans les grandes villes maintiennent l'ordre. Ils maintiennent l'ordre. À vous entendre, ça ressemble à la loi martiale. Rien d'aussi restrictif, croyez-moi. Simplement des tests de préparation aux urgences. Ce sera tendu, mais ordonné. Merci pour ces informations. Je fais que mon travail. Bienvenue à bord, monsieur. À quoi ils ressemblent? Il paraît que certains sont comme nous. Ah non, je les ai vus. Ils ressemblent à des... j'en sais rien, à des sortes de monstres. Vous êtes perdu? La salle de préparation est par là. Comment ça va, Agent Carter? Oui, directeur. Je vais lui dire tout de suite. Le vieux vient d'appeler. Il dit qu'un des chercheurs est manquant. Il a disparu avec ses recherches sur les explosifs. Falk pense qu'il a retourné sa veste. Peut-être. Mais il faut éviter la panique. Niels le cherche, mais il veut que vous prépariez une équipe, vite et discrètement. Carter. J'ai coincé l'infiltré dans la morgue. Il a aucun moyen d'en sortir. Attendez-moi, Nels. Je vous couvrirai. J'attendrai le plus longtemps possible, mais on ne peut pas prendre le risque qu'il file avec ses explosifs. Je suis en route. Carter. Passez par l'arsenal et prenez à gauche pour atteindre l'ascenseur. J'envoie votre équipe vous rejoindre. Bon sang, Nils, attends. Et... asseyez-vous, monsieur. Le directeur Falk vous a personnellement choisi pour ce service et je serai votre chef d'équipe. C'est un honneur de travailler pour vous, monsieur Da Silva. Nous sommes tous honorés, c'est sûr, mais le directeur n'a pas été très clair au sujet de nos tâches. Pour l'essentiel, il s'agit de vos tâches habituelles. Vous êtes tous des agents de terrain chevronnés, alors vous connaissez les enquêtes et la récupération en environnement hostile. Ça c'est clair, on est les meilleurs. Et vous affronterez tous les risques habituels du travail de terrain en présence d'hostiles. Oui, mais le directeur Falk a parlé de... sujet inhabituel. Oui, il risque d'être un peu différent de ce que vous connaissez. Vous voulez dire qu'on ne va pas chasser des rouges? Alors, qu'est-ce qu'on va chasser? Nous pensons avoir découvert un nouvel ennemi d'État. Nous allons enquêter sur la nature exacte de son organisation. Ah, j'ai compris. Je crois. On est prêt à affronter tous les gus du monde, monsieur. Oui, eh bien, à ce sujet... L'agent Nils est là-dedans. Il nous a tous fait sortir. Du calme, tout le monde. Je m'occupe de ça. Oh bon Dieu, Nils! Ne le pleurez pas. Il s'est bien battu. Mais... pourquoi tuer Nils? Pourquoi nous attaquer? Vous ne comprenez pas. Ce monde n'est plus le vôtre. Vous apprendrez. Mosaïque va vous apprendre. C'est quoi cette mosaïque? Mosaïque est la vérité que l'humanité va connaître. Mais vous ne serez plus là pour y assister et c'est dommage. Mais moi je connais une vérité que tu ignores. Ah, et laquelle? Tu es cerné. Contact! Ils sont là! Les boucliers! Balancez tout! Donnez-nous des ordres! Je suis en chemin! Reçu! Déplacement! Sur place! Je suis prêt! Je me fais désinguer! Avancez! Ils avancent! Qu'est-ce qu'on fait? Je suis toujours blessé! Partez! Bouclier détruit! Attaquez! Je vide de mon sang ici! Faut se planquer! Mouvement! Ils sont tous morts. Allez! Halte au feu, tout le monde. Il vaut mieux l'avoir en vie. Mettons-le plutôt en cage. Je tiens l'infiltré, Falk. En vie. Beau travail. L'agent Niels et vous, allez haut. Niels est mort. Je lui avais dit d'attendre des renforts. Mais il est entré sans moi. Compris. Retrouvez-moi aux Ops. On a du travail. Vous l'avez eu, Carter? Oui, je l'ai eu. C'est une bonne chose, non? Niels est mort. Bon sang, j'aurais dû être avec lui. Écoutez, il faut que j'y aille. Le directeur nous envoie en recours. À mon retour, on trinquera en souvenir de Niels. D'accord. Bonne chance, agent da Silva. J'ai pas besoin de chance. Et c'est Nico, Will. Circuit à sauter. On devrait priver le labo de courant. Prêt à y aller, agent? Ma devise, c'est toujours prêt à tout. D'attaque pour l'appliquer sur le terrain? D'attaque et impatient d'y aller, monsieur. Combien de missions a mené XCOM jusqu'ici? Assez peu. Et aucune n'a chauffé autant qu'à Groom Range. Je commençais à croire qu'on ne verrait jamais d'action. C'est à croire que vous espériez une telle attaque. Non, 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 mais j'en ai marre des enquêtes et des interrogatoires. Je préfère une bonne fusillade. Comment se déroulent les missions d'habitude? Jusqu'à présent, ça ressemblait à une chasse aux fantômes. Je commençais à croire que les Xénons n'étaient qu'un canular. Jusqu'à ce qu'ils attaquent. Ouais, sympa de leur part de clarifier la question. Ouais. Vous êtes manifestement un militaire. Où avez-vous servi? Vous avez l'œil. J'étais dans le 5e régiment des Marines en Corée. Pourquoi avez-vous quitté le corps? J'y serais bien resté, croyez-moi. Mais le vieux a dit que je serais plus utile à mon pays ailleurs. Je savais pas qu'il pensait à défendre toute la planète. Tenez-vous prêt. On est de nouveau en guerre. Ça fait bien longtemps que je me tiens prêt, monsieur. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on se bat contre des hommes verts de Mars. Vous devriez faire plus attention, soldat. Blague ou pas, ce genre d'ignorance n'a pas sa place à XCOM. Eh bien, j'essayais seulement de blaguer, mais je vois ce que vous voulez dire. Et je vous comprends, mon vieux. Rire fait du bien, surtout en ce moment. Ouais, ou pleurer. Et désolé, c'était une blague. Enfin, pas vraiment parce que c'était pas drôle, mais je disais ça pour détendre. Peu importe. Vous aviez quelque chose à me demander ? Quelle est la situation côté armes et munitions? On a toutes les armes légères dont vous pouvez rêver. Mais on manque encore d'armes lourdes. Mais ça devrait suffire pour l'instant. Vous n'êtes pas un peu vieux pour le service actif? Pfah, je suis pas beaucoup plus vieux que Falk. Et il sait à quel point il est important d'avoir quelqu'un qui connaisse les stocks. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous connaissez Falk depuis longtemps? Assez pour lui avoir sauvé la peau plusieurs fois. Mais moins j'en dirai, mieux ce sera. Comment fait-on pour évacuer le stress quand on est bouclé sous terre? Eh bien, tant qu'on n'aura pas de bar, le seul endroit pour se détendre, c'est le stand de tir. Certains y organisent même des concours. Un bon moyen de garder la forme. Et si on s'est tiré, c'est un bon moyen de gagner un peu de fric. Mais pour ce qui est de le dépenser... Merci, c'est tout ce qu'il me fallait. Faites bon usage de ce matériel, agent Carter. Hey, vous êtes Carter, pas vrai? Content de vous avoir parmi nous. On s'entraîne, agent? Ça oui. Vous testez quelque chose? Dites, ça vous tente un petit concours? Peut-être. Vous pensez à quoi? Les cibles s'allument l'une après l'autre. Je parie que je peux les avoir avant vous. Allez-y. Ah, bon sang! Je l'ai eu! Ah merde! Oh. Je l'ai eu! Oh. Je l'ai eu! Oh. Ah, dommage, monsieur. Une revanche? Voilà, agent Carter. Un instant, s'il vous plaît. Si vous savez un moment, je suis le docteur Heinrich Dressner. Et je vous attendais. D'accord, Doc. Mais il faut que j'aille à... Je vous assure que Herr Falk sera heureux de cette discussion. Après tout, cette guerre va réclamer de nouvelles armes. Et c'est dans mon labo qu'elles seront créées. Nous serons heureux d'étudier et convertir les armes que vous trouverez sur le terrain. Vous en savez long sur ces étrangers et leur technologie? Je travaille avec Herr Falk depuis qu'il soupçonne leur existence, ou peu s'en faut. Et depuis l'attaque, je ne manque pas de matériel à étudier. Cachez un peu votre joie, docteur. On a perdu un tas de types bien aujourd'hui, et on vient d'en perdre un autre. Pardonnez-moi, William, mais j'espère éviter de nouvelles pertes, tout comme vous. En fait, je suis venu vous donner ceci, notre première découverte. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Nine, l'armature Ven a été créée pour le combat rapproché. Elle augmente votre potentiel. Face à une cible blessée, ses effets sont dévastateurs. Mais par-dessus tout, on peut la modifier pour permettre la capture et l'emploi de l'armement ennemi. Ça m'aurait été utile il y a quelques minutes. Ah, mais on ne peut pas s'emparer comme ça de ces armes. Il faut déjà en trouver une n'ayant pas reçu l'empreinte de l'ennemi. Chaque minute perdue peut nous coûter une vie. Toutes mes excuses, William. Prenez l'armature, je vous dirai quand elle nous sera utile. Merci, Doc. Peut-être que le sujet de recherche vous aidera à faire une nouvelle percée. Bon, excusez-moi, mais il faut que j'aille voir le directeur. Merci, William. Revenez nous voir. Oui, agent. Merci pour ces informations. Je fais que mon travail. Votre rapport, agent Carter. Ce salaud a eu Niels, ça ne doit plus se reproduire, Falk. La mort de Niels, on a eu de la chance que ça se limite à ça. La perte de l'agent Niels va être un rude coup pour tous nos personnels, mais il y a des problèmes plus graves. Sa perte? Nom de Dieu, il faut qu'on arrête ces fumiers et qu'on s'y mette tout de suite. Vous l'avez bien compris. Calmez-vous, agent. On sait tous qu'il faut les arrêter. Je pense que notre meilleur espoir d'y parvenir est de faire venir le docteur Weir de l'université de Rosemont. Non, ce qu'il faut faire, c'est arrêter l'ennemi. D'accord, et on peut faire les deux. Il y a eu une autre attaque contre l'université de Rosemont. Une cible civile? Pourquoi? Parce que les travaux du docteur Weir peuvent nous apprendre ce que veut l'ennemi, comment il pense et comment l'arrêter. Si on veut survivre, on a besoin de lui dans l'équipe. Et vous savez mieux que quiconque que la survie est la première étape de la riposte. Très bien. Allons le chercher. Parfait. Quand vous serez prêt, affichez la carte tactique sur ce terminal et on enverra votre équipe. Assurez-vous que tout est en ordre dans la base. Équipe en place, armement, aucune affaire en souffrance. Il est impossible de prévoir la durée d'une mission, ni même si vous en reviendrez. Je ne le sais que trop bien, monsieur. Je vous avoue, William, que je suis impatient de travailler avec vous. Eh bien, content que quelqu'un s'amuse par ici. Bien sûr, je suis impatient d'étudier tous ceux qui ont été exposés de près à ces xénons, de la manipulation de l'artefact récupéré à la capture d'un spécimen vivant. Ces contacts sont sans précédent. Vous allez me coller sous un microscope? Oh non, bien sûr que non. Mais j'ai l'intention d'assurer votre suivi en cas de... développement inattendu. Si on commence à utiliser leur technologie, est-ce que je vais attraper le mal des radiations ou me voir pousser un troisième bras? Je ne pense pas que vous ayez à vous inquiéter du mal des radiations. Mais pour ce qui est d'un troisième bras... J'ai autant envie que n'importe qui de me servir d'un de ces lanceurs. Mais j'aimerais être sûr qu'il ne m'explosera pas dans les mains. Aucune crainte, William. Tous les appareils feront l'objet de tests dans nos labos avant que leur déploiement soit approuvé. Ça me rassure, Doc. Alors, on rapporte ces armes et vous les étudiez jusqu'à ce que tout soit clair? Je crains que leurs armes soient conçues pour s'autodétruire si le porteur meurt au combat, ce qui empêche leur étude. Le confinement d'Elerium disparaît et elles se dissolvent. Mais l'armature veine empêche ce phénomène. D'accord, alors comment on met la main dessus? Ça suppose que faut récupérer une arme intacte, soit parce qu'elle n'a pas encore reçu d'empreinte, soit parce que son porteur a eu une mort imprévue. L'armature peut alors établir comment éviter la destruction de ce type d'arme, ce qui vous permettra d'en récupérer sur le terrain. Dites-moi, c'est quoi au juste cet Elerium? Pour moi, c'est une sorte de miracle. Un élément absent de notre monde et recélant une énorme énergie concentrée. La moindre parcelle peut libérer plus d'énergie qu'une bombe atomique. Comme si on avait toute l'énergie du Big Bang dans un... Vers Adam? Oui, et cette énergie nous sert à fabriquer ici les armes et les technologies qui vous permettront de survivre. On peut dire que vous ne manquez pas de matériel ici. À quand remontent les premières recherches? Le premier dépôt d'Elerium a été découvert il y a un peu plus de 10 ans. Je suis arrivé ici peu après, et nous avons alors commencé à étudier les propriétés de cette merveilleuse substance. Et il y a des résultats? Eh bien, notre première acquisition est en test. Un appareil capable d'améliorer la stabilité de la fusée. Ça promet d'être utile. Je peux vous aider pour ces essais? Assurément. Allez au stand de tir et testez l'appareil avec l'arme de votre choix. Ensuite, revenez et nous verrons les résultats. Parfait. Ça me fera du bien de me détendre au stand de tir, de toute manière. D'où venez-vous, Heinrich? Vous n'avez pas l'accent du coin. Posez donc la question à votre OSS. Il s'est occupé de mon immigration. Ah, je vois. Eh bien, content de vous avoir parmi nous. D'accord, je tâcherai de vous rapporter quelque chose. Croyez-moi, William, vous ne serez pas déçu. Attendez, agent, je suis sur le point de faire une percée. De quoi? À propos des activités crypto-paramilitaires de l'ennemi et de ce que ça laisse entrevoir de son... organisation sociétale. Ah! On dirait que ce n'est pas encore parfait. Oui. Bon, j'imagine que j'ai une minute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah! Sur quoi est-ce que vous travaillez? Pour l'instant, on en est encore aux questions de base. Qui est l'ennemi? Quelles sont ses capacités? Comment riposter? Des questions majeures. Oui, mais elles restent limitées. Nous ne sommes pas encore prêts à répondre à la grande question. La grande question? Pourquoi? Que pensez-vous de leurs attaques? Les Ops savent qu'ils ont attaqué sur l'ensemble du pays à quelques secondes d'intervalle. Ils disposent clairement d'un potentiel énorme. Ça, j'aurais pu vous le dire. Ah, mais ça indique aussi qu'ils attendaient une sorte de signal. Pourquoi ont-ils attaqué aujourd'hui plutôt qu'hier, ou que demain? Ils avaient l'air de chercher un paquet que je transportais. J'aimerais bien savoir ce qu'il contenait. Il a disparu. C'est tout à fait possible. Ou ça pourrait être les Russes, ou des phénomènes météo inhabituels dans l'Antarctique. D'accord. Je vais vous laisser régler les grandes questions. Oui. Oui. Allez-y. Ah, bon sang. Ah, merde. Ah, bon sang. Ah, merde. Ah, bon sang. Ah, merde. Je l'ai eu. Pan. Ah, j'avais la lumière dans les yeux. J'aurais dû apporter une casquette. Allez-y. Ah, bon sang! Ah, merde! Ah, bon sang! Ah, merde! Je l'ai eu! Pan! Ah, bon sang! Ah, merde! Ah, j'avais la lumière dans les yeux. J'aurais dû apporter une casquette. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on se bat contre des hommes verts de Mars. Ils ne sont pas verts et ils ne viennent pas de Mars. Tant qu'on peut tirer dessus, on a une chance de se battre. Ça, c'est sûr, mon vieux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, agent? Merci, c'est tout ce qu'il me fallait. Faites bon usage de ce matériel, agent Carter. C'est tout ce qu'on a, monsieur? Une poignée de soldats face à une invasion? Nous nous relevons à peine. Et cette base et ses occupants sont notre seul espoir. Ça va marcher. Il faut resserrer la sécurité. Et il faut que les blouses blanches du labo préparent un test afin de repérer les infiltrés. Si on a l'intention de survivre, il va falloir coopérer. Vous avez raison. Et le travail en équipe suppose que chacun s'occupe de ses propres tâches. J'ai déjà fait boucler la base. Personne n'entre ni ne sort. Dressner travaille déjà à un test. Et d'ici là? D'ici là, vous nous ramenez le Dr Weir. Sa présence est indispensable à l'équipe. Qu'est-ce qu'il a de si important, ce Dr Weir? Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre qu'on ne pourrait pas trouver tout seul? Je ne sais pas ce que veut l'ennemi ni comment il compte l'obtenir. Mais pour survivre, il va falloir le découvrir. Le Dr Weir progresse vite dans la compréhension du langage des technologies ennemies. C'est ce dont nous avons besoin pour exploiter leur puissance de feu. Sur quoi il travaille? C'est une sorte de génie de l'électronique. Son domaine est le langage machine. Regardez autour de vous. Pas de cartes perforées sur nos ordinateurs. Ça, c'est grâce à Weir. Ces travaux ont permis aux machines de ce complexe de se parler entre elles. Elles se parlent? La technologie a un langage, Carter. Je ne le connais pas et vous non plus. Mais le Dr Weir, si. Et il a réussi mieux que n'importe quel homme en vie à analyser les rares bribes de langage machine étranger qu'on a pu réunir. Ouais, ça peut présenter un intérêt, même si je préfère flinguer l'ennemi plutôt que de discuter avec lui. Le flinguer, l'arrêter, le mettre dans un sac et le renvoyer dans les trous par lesquels il déboule, c'est notre but à tous. En ce qui me concerne, tout ce que j'ai besoin de connaître de sa langue, c'est comment lui dire d'aller au diable. Vous avez dit qu'il travaillait directement sur ses communications? Comment ça? Le premier signal extraterrestre a été capté il y a 5 ans à Rosemont. C'est l'équipe du Dr Weir qui l'a découvert. On connaît leur existence depuis tout ce temps. Pourquoi ce manque de préparation? On a tout attribué aux Soviétiques. Les signaux, l'Elerium, les anomalies météo. La plupart des gens ont tendance à attribuer des phénomènes à des causes connues avant de chercher des réponses dans le ciel. Surtout si de vrais extraterrestres ont pris le contrôle de nos chefs. Oui, les ennemis infiltrés y ont contribué. Mais ça révèle une chose intéressante. L'humanité est davantage prête à s'accuser de quelque chose qu'à chercher une cause extérieure. Les nations, elles, s'accusent tout de suite l'une l'autre. Les nations? Non, les villes, les gens. Pour être franc, en ce moment, c'est vous que je rends responsable de tout ça. La nature humaine est un sujet épineux, et c'est pas vraiment mon domaine. Que savons-nous de ce lieu, au juste? Le Dr Weir travaille à l'université de Rosemont. On nous a signalé une incursion là-bas. Nous n'avons pu joindre personne, que ce soit à l'université ou auprès des forces de l'ordre locales. Mauvais signe. Il y a pire. Les forces armées américaines ont fait mouvement pour défendre les lieux ce matin. On a immédiatement perdu tout contact. Depuis, c'est le silence radio. Vous m'envoyez à l'aveuglette dans une zone ennemie en espérant que je ramènerai un type des décombres? Le Dr Weir est d'une importance cruciale pour notre cause. Nous avons reçu un message chiffré sur un canal hautement classifié après la perte de contact avec les militaires. C'est une piste assez ténue. C'est la fonction de XCOM, Carter. On gère au mieux l'inconnu. Je vais aller rassembler ce qu'il me faut pour la mission à Rosemont. Écoutez, Carter, je ne sais pas comment le directeur Frost gérait son agence, mais vous relevez maintenant de XCOM. Je ne vous ai pas choisi pour rien. À notre connaissance, cette équipe est le dernier rempart capable d'empêcher ces êtres d'annihiler l'humanité. Je comprends, monsieur. Vous êtes un agent brillant, et votre équipe compte les meilleurs éléments possibles. Allez faire votre travail. Je vais faire payer ces salauds, monsieur. Parfait. Quand vous serez prêt, appelez la carte tactique sur ce terminal et on expédiera votre équipe. D'accord, je tâcherai de vous rapporter quelque chose. Croyez-moi, William, vous ne serez pas déçu. Ils attaquent de tous les côtés. On ne discerne pas encore leur schéma d'invasion, mais on a réussi à définir des priorités de mission. Les comptes rendus et missions potentielles qui en découlent s'afficheront ici. Je compte sur vous pour choisir les plus urgentes.